Bonjour Jean-Pierre, vous avez accepté de dire quelques mots pour YouTube. La parole est à vous. Bien, je suis très heureux que mon vieux copain, mon vieil ami Jean-Pierre Putters, qui est une des personnes qui ont le mieux et le plus œuvré pour la cause du cinéma fantastique en France, et pas seulement du cinéma fantastique, de tout le cinéma que nous avons, il a été un des premiers à se pencher sérieusement sur le cinéma de Hong Kong, sur le cinéma de Kung Fu, sur les westerns italiens, sur tous les genres qui sont les forces vives du cinéma populaire. Mais tu sais, c'est quand il retient de nouveau une librairie qui est un point de ralliement pour tous les fans du cinéma. Dans l'ouvre une nouvelle, une adresse légendaire, puisque c'était autrefois la librairie album, qui nous a beaucoup d'importe. On a toujours trouvé une petite vidéo introuvable ailleurs. Et c'est lui désormais qui tient cette boutique et j'en suis vraiment très heureux pour lui et tous les gens qui ont trouvé des films dont ils ont entendu parler, mais qui n'auraient pas eu l'occasion peut-être de voir sans une boutique qui enfin les implore et les propose. C'est quelqu'un d'important dans l'histoire, peut-être pas dans l'histoire du cinéma lui-même, mais dans l'histoire de la reconnaissance et de la connaissance du genre. C'est un type épatant. Vraiment, j'espère que cette boutique va marcher le feu de Dieu. Oui, et vous avez participé à Cinéphile de notre temps. Et vous avez évoqué vos souvenirs d'enfance très gentiment, d'une manière très amusante, très sympathique. Vous pouvez nous en parler? Vous savez, le cinéma, je suis tombé dedans quand j'étais en culotte courte, tout enfant. Par exemple, beaucoup de gens peuvent parler du premier film qu'ils ont vu, pas moi, parce que mes parents, quand j'étais encore bébé, m'amener au cinéma, donc les souvenirs de séquences, d'images, n'étaient plus forcément de quel film il s'agissait, sont des souvenirs très 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 lointains. Je vis au cinéma, dans le cinéma, je vois des films toujours, c'est une question dévorante, c'est la finie, parce que quand elle aime ça, le cinéma, elle aime ça de façon définitive. Bien sûr, maintenant, je regarde davantage de DVD, je vois des films sur grand écran. Ce que je regrette un petit peu d'ailleurs, parce qu'on ne remplacera jamais la vision d'un film sur un écran géant, c'est irremplaçable, c'est formidable. Mais de voir aussi chez soi, pouvoir faire des arrêts sur l'image, revenir sur des séquences, décortiquer des films, feuilleter des films, littéralement, comme on feuillette un livre, c'est également très précieux. Et pour terminer, vous pouvez nous parler brièvement de votre carrière? Je n'ai pas fait à proprement parler une carrière. J'ai été un petit peu acteur, mais je ne peux pas. Enfin, j'ai un peu joué dans des films, mais je ne peux pas être un acteur. J'ai écrit des scénarios, mais je ne peux pas dire scénariste, je ne peux pas être professionnel. J'ai réalisé quelques films, mais je n'ai jamais eu la carte de réalisateur professionnel du CNC. J'aimais tellement le cinéma que j'ai voulu en faire moi-même, j'ai réussi, j'espère continuer à en faire d'ailleurs pour faire d'autres films, mais ce n'est pas. Je ne peux pas me vertiger, je suis quelqu'un qui bricole dans le cinéma, qui écrit beaucoup sur le cinéma. J'ai énormément écrit, j'ai entendu les écrits énormément, j'espère que je suis encore. Et pas que sur le cinéma, hein. C'est pour moi, ça forme tout. Le cinéma, il est
né la littérature populaire, né la bande dessinée, un certain type de musique, né l'anarchie, tout ça formative. J'arrive même pas à comprendre comment on peut aimer l'un sans aimer tous les autres. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.